Buenos días, estamos con Frédéric Martel, un sociólogo francés, escritor, muy conocido en España sobre todo por su último libro que se llama Sodoma, en el que abordaba la homosexualidad en las altas esferas vaticanas y en distintos países de europeos, incluido España. Hoy nos visita porque trae entre manos otro libro, está preparando otro libro que creo que nos va a explicar al menos el tema de tu próximo libro. ¿Sé cuál es el tema de tu próximo libro? Je travaille surtout sur les valeurs, notamment européennes, et la critique de ces valeurs. Los valores y la crítica de esos valores. Sí. Y en España hay esos valores, no los hay. ¿Qué vienes buscando? Le rôle de la, je dirais, de l'extrême droite et de l'extrême gauche dans ces débats. Ça t'intéresse surtout la guerre entre l'extrême droite. Oui, la matrice intellectuelle surtout. C'est qu'en Espagne, nous appelons la guerre culturelle. La guerre culturelle, exactement. Uh-huh. Exactement, c'est ça. Puis tu commences maintenant ou... Non, j'ai déjà travaillé beaucoup, mais pas que en Espagne, ailleurs aussi. C'est très international comme livre. Sur la guerre culturelle, c'est exactement ça. Uh-huh. Puis, t'as déjà une approximation à ça, tu sais... Dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans. Mm. C'est long, mon livre. Alors, tu sais ça, parce que tu as fait un livre sur... C'est on va arrêter là pendant plusieurs années. c'est long. Retournons alors à Sodoma. Comment ça a été? Ça a bien été, ça continue à se vendre. Oui, c'est un livre qui est traduit dans plus de 20 langues, qui a été best-seller dans une quinzaine de pays, notamment aux États-Unis. C'est un New York Times best-seller. Et c'est un livre qui, je dirais, a donné les clés de choses que les gens ne comprenaient pas. Pourquoi l'Église avait protégé, sous Jean-Paul II, et même sous Benoît XVI, des prêtres pédophiles, par exemple. Alors, évidemment, il n'y a pas de lien entre l'homosexualité et les abus sexuels. On peut être un homosexuel comme beaucoup, qui ont des relations normales avec des gens majeurs, consentants. Mais le problème de l'homosexualité, c'est que sa présence dans l'Église impose aux prêtres, aux évêques, aux cardinaux qui sont homosexuels, de rentrer dans une vie secrète, une double vie. Et cette culture du secret a permis, alors que, au fond, avoir une maîtresse ou un amant est tout à fait normal pour moi, y compris pour un prêtre, j'ai pas de problème avec un évêque qui aurait une vie normale sexuelle, le secret de cette vie sexuelle permet à des gens qui ont des comportements d'abus sexuels d'être protégés par ce système, alors que ce système ne voulait pas obligatoirement les protéger. Et c'est ça la clé de compréhension du système. La haine de l'homosexualité, la haine de la sexualité, la haine même des prêtres qui ont une femme ou une maîtresse, a permis à des abuseurs sexuels d'être protégés par ce système. Et c'est ça la faillite intellectuelle, je dirais, de Jean-Paul II, et en particulier d'un cardinal très important, qui s'appelle Angelo Sodano et qui est mort il y a maintenant une année à peu près. Pourquoi l'importance de... À quoi se dit l'importance de Sodano? Angelo Sodano, c'est d'abord un nonce au Chili, mm-hmm. qui a d'une part été très ami avec Pinochet et en même temps avec le principal abuseur sexuel du Chili qui s'appelle Fernando Caradima. Et sa protection de Caradima est liée notamment au fait que Angelo Sodano avait lui-même une vie sexuelle très développée, probablement homosexuelle. Et ce secret qu'il avait a contribué à d'une part au fait que les amis de Pinochet savaient tout ça et donc le contrôlaient, et lui-même a protégé Caradima. Il a aussi installé non seulement l'Opus Dei, très présent en Amérique latine, mais aussi les légionnaires du Christ, qu'il a beaucoup défendu, notamment pour lutter contre
la théologie de la libération. Et de manière très surprenante, Angelo Sodano, d'un coup, est devenu ministre des Affaires étrangères, comme on dit, de Jean-Paul II à Rome, après avoir quitté le Chili, et puis il est devenu Secretary of State, au fond le premier ministre de Jean-Paul II pendant très longtemps. Et ce qui est intéressant avec Angelo Sodano, qui est une figure fascinante, formidable, le diable en personne, c'est que depuis Rome, il a à la fois installé Communio et Libération, l'Opus Dei, et bien sûr les Légionnaires du Christ au cœur de l'Église de Jean-Paul II. Alors, entonces, ¿él se sirvió de los movimientos especializados de Communio et Libération? Bien sûr. C'est para asegurar su poder y el silencio, el encubrimiento. D'abord pour détruire la théologie de la libération. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, probablement pour recueillir beaucoup d'argent, et cet argent qui venait des Légionnaires du Christ, de l'Opus Dei, de Pinochet, mais aussi de l'extrême droite colombienne, mexicaine, a permis à l'Église de Jean-Paul II de lutter contre le communisme en Europe centrale et orientale, et notamment d'abord en Pologne. Donc, si entre les bases de dinero corrupto, ouais, para luchar contre le communisme en Pologne. Des milliards de dollars. Et c'était pas de la corruption, c'était au fond une guerre culturelle, une guerre politique pour détruire le communisme. Et ça, paradoxalement, moi je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que c'était bien que Jean-Paul II lutte contre le communisme en Pologne, en RDA ou en Bulgarie. Con esos métodos? Oui, je pense, oui. Je pense que c'était bien d'avoir ce rôle-là. Par contre, le problème que ça a posé, c'est que d'abord, c'était une destruction de la théologie de la libération en Amérique latine, qui était peut-être parfois excessive, mais qui était aussi construite sur des valeurs très, très justes, notamment vis-à-vis de la pauvreté. Le pape François aujourd'hui, même s'il n'est pas proche, même s'il n'est pas de la théologie de la libération, est plutôt proche de la théologie de la libération, notamment de ses fondateurs, je pense à Leonardo Boff, dont le pape est un ami, je pense évidemment à tous les Fray Beto ou aux grandes figures au Pérou ou au Brésil de la théologie de la libération. Mais ce qui est problématique, c'est que cette lutte contre la théologie de la libération et pour la lutte contre le communisme en Amérique latine et surtout en Pologne, en Bulgarie, en Allemagne de l'Est, s'est traduite aussi parce que l'obsession, c'était le communisme, par une défense de tous ceux qui luttaient contre le communisme, mais qui pouvaient avoir, c'est le cas de Marcel Maciel au niveau des Légionnaires du Christ, mais c'est le cas aussi de Caradima, dans la proximité à Pinochet, et de beaucoup d'autres, d'avoir défendu des prêtres, des évêques, parfois des cardinaux abuseurs sexuels, parce qu'on menait une guerre contre le communisme. C'est aussi l'affaire McCarrick aux États-Unis, pour une part Groer en Autriche. Et donc, on a défendu des figures qui étaient des figures d'abus sexuels ou pédophiles, comme Caradima ou Marcel Maciel, parce que la guerre idéologique contre le communisme était la priorité. Et là, Angelo Sodano, qui est une figure, c'est une figure très anticommuniste et en même temps très de défense des abuseurs sexuels, est évidemment le cœur de ce système. Quand se rompe ce système et qui le rompe? Le pape François. Le pape François, par exemple, lorsque Angelo Sodano est mort, a fait ce qu'on appelle en français un service minimum. Il n'a même pas lui-même fait la messe. Il a confié au cardinal Rey, qui est évidemment très suspect sur tous ces sujets. Et le pape François a réinvité les grandes figures de la théologie de la libération, Gutiérrez au Pérou, Leonardo Boff au Brésil, et a renoué avec cette dimension plus chrétienne de l'Église qui lutte contre la pauvreté. ¿Por qué la Iglesia en época de Benedicto, y me imagino que sigue vigente ese canon, prohíbe explícitamente que haya seminaristas homosexuales, declaradamente homosexuales?
En fait, elle a surtout, l'Église de Jean-Paul II et de Benoît XVI, a lutté contre la sexualité en général. Pour un prêtre, être hétérosexuel, c'était totalement interdit. Être homosexuel aussi. Mais au fond, c'est une négation de la sexualité des prêtres qui est l'erreur majeure. Puisque, en fait, Angelo Codano, pour commencer, avait une sexualité très, très développée. Beaucoup de cardinaux, beaucoup d'évêques au Vatican ont des amants, des maîtresses. Et ce refus de la sexualité des prêtres est en fait très contre nature. Ce n'est pas l'homosexualité qui est contre nature, c'est d'empêcher les prêtres d'avoir une sexualité. Et toute une dérive de l'Église et aussi la faillite sur les abus sexuels est venue de ce mensonge, croire qu'un prêtre pouvait être, ne pas avoir de sexualité. Un ange. Et ça, les anges, c'est peut-être vrai dans le ciel, mais ce n'est pas vrai sur terre. Atenta contra los derechos humanos el que una institución prohíba canónicamente que una persona, por ser homosexual, no tenga derecho a ser sacerdote. Absolutamente, c'est vrai, c'est ça. Y no se hace nada, Francisco tampoco ha hecho nada por derogar ese canon. Je pense que pour François c'est très compliqué parce que il ne veut pas, ou il ne peut pas, il n'a pas pu changer la doctrine de l'Église, notamment sur le fait que les prêtres pourraient être mariés, ou que des femmes pourraient être ordonnées, ou que des prêtres pourraient être homosexuels. Mais en même temps, il sait tout ça. Le pape, il a dit de mon livre, je l'ai lu, c'est bien, je savais tout ça. Il savait tout ce que j'ai dit dans le livre. Parce que tout le monde le sait, tous les prêtres, les cardinaux au Vatican savent ça. Rocco Varela, Canizares, Osoro, Reipla, ici en Espagne, ils savent tout ça. Ils savent que les prêtres ont une vie sexuelle. Ils savent qu'il y a beaucoup d'homosexuels parmi les évêques et même les cardinaux. Ils le savent plus que vous et moi, puisqu'ils vivent dans ce système. Mais ils restent construits dans une illusion de la pureté du prêtre qui évidemment est la source de ces abus sexuels. Et l'Espagne, je le dis, bientôt, dans les mois, les années à venir, il y a des livres qui vont paraître. Tout ça va se savoir. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de prêtres, d'évêques et même de cardinaux qui ont eu une sexualité, parfois d'ailleurs normale. Moi, je n'ai pas de problème avec un prêtre qui a une maîtresse ou un amant. Dès lors que c'est avec un majeur, dès lors que c'est consentant, et dès lors qu'il n'y a pas de hiérarchie entre eux. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de dérives, beaucoup d'abus sexuels aussi, et l'Espagne va découvrir ça comme la France. La France, c'est des milliers de prêtres qui sont aujourd'hui accusés d'abus sexuels, comme aux États-Unis, comme au Mexique, comme au Chili, comme en Pologne. L'Espagne va connaître tout ça dans les mois à venir. Van a aparecer libros sobre esa temática y sobre la temática homosexual también, haciendo outing, obligando a los curas y a los obispos declaradamente homosexuales a que salgan y den la cara, salgan del armario. En francés. Outing. Oui, mais quoi, c'est quoi la question? La question est si también de lui qui vont obliger. Non, moi je ne suis pas favorable au outing. D'ailleurs, dans mon livre, je n'ai pas outé des prêtres. Ce n'était pas du tout ça ma logique. C'est de outer le système. C'est un système qui contraint les prêtres à mentir, qui contraint les prêtres à protéger les abuseurs sexuels parce qu'eux-mêmes ont des secrets. C'est ça le système. À partir du moment où je suis homosexuel et j'ai un amant, même légal, si quelqu'un abuse d'enfant, je le protège parce que j'ai peur que mon propre secret soit révélé. C'est ça le système, y compris au cœur de l'Espagne. Et encore une fois, si vous demandez à Rocco Varela, à Canizares, à Reipla, ils savent ça, parce qu'eux-mêmes connaissent les clés de ce système. Mais c'est pas, il faut pas, je pense qu'il ne faut pas outer les prêtres. Par contre, s'il y a eu des abus sexuels, il y a un moment, il faut que ces abus sexuels soient connus.
¿Por qué en España llevamos retraso respecto a Francia en los abusos? Parce que je crois que l'Espagne, à cause du franquisme et de la proximité de Franco avec l'Église espagnole, parce que l'Église espagnole est très conservatrice, beaucoup plus que l'Église française ou américaine, ou même portugaise, elle a refusé très longtemps de reconnaître tout ça. Et l'Église espagnole, c'est une machine de mensonges. C'est une machine qui a entretenu un mensonge, non seulement sur la vie des prêtres, sur la sexualité des prêtres, mais aussi sur ses abus sexuels. La sexualité des prêtres, pour moi, n'est pas un problème. Par contre, si elle contribue à construire ce secret et à protéger des abusions sexuelles, c'est évident qu'il y a un problème. Avec la politique, l'Église espagnole est aussi... Los políticos españoles hacen chantaje porque saben esas cosas a la jerarquía española. Je crois que tout va changer. D'abord, le pape François ne défend pas Rocco Varela. Il ne défend pas Canizares. Il ne défend pas, je dirais, cette église qui a des racines dans le franquisme ou dans la droite extrême. Le pape François, les hommes du pape François en Espagne, c'est le cardinal Osoro, mais surtout le cardinal Omella de Barcelone. C'est ça l'église de François en Espagne. Et quand on parle à Omella à Barcelone, je l'ai rencontré, j'ai aussi rencontré Osoro, c'est tout autre discours. L'église de Rocco Varela a passé, c'est fini, c'est fini. Parce que c'est une église du mensonge, c'est une église du compromis avec le franquisme et avec l'extrême droite, et c'est pas l'église du pape François. Pero muchos sacerdotes en España siguen estando formateados en oui, esa mentalidad de Rocco Varela. Bien sûr, mais ça change, ça prend du temps, parce que vous changez les évêques, vous changez les cardinaux, ça prend des dizaines d'années, mais l'église de François n'est pas l'église de Jean-Paul. Pero ¿y cómo se cambia a los curas jóvenes que salen de los seminarios con ese mismo formateado? Et parce que quand vous allez avoir des... Il y a des milliers de prêtres en Espagne qui ont abusé d'enfants. Tout ça, on le sait. Ça va sortir. Il va y avoir des livres qui vont le dire dans les mois à venir. L'Église va devoir changer. Elle ne peut pas ne pas changer. Vous savez, en France, on a 800 prêtres qui meurent chaque année. 800 prêtres. Et il y en a moins de 50 qui sont ordonnés. On continue comme ça. Si on ne reconnaît pas la sexualité des prêtres, le fait qu'ils puissent se marier, qu'ils puissent être homosexuels, si on ne donne pas aux femmes la possibilité de devenir prêtres, il n'y aura plus de prêtres en Espagne, plus de prêtres en France, plus de prêtres en Italie. C'est fini l'Église catholique si elle ne change pas. Ce n'est pas une question idéologique. L'erreur de Rocco Varela, c'est de penser que c'est une question idéologique. Ce n'est pas une question idéologique, c'est une question démographique. Stratégique aussi. Et du coup, stratégique. ¿Cómo se va a situar la Iglesia española en esa guerra cultural que hablábamos al principio? ¿Cómo se está situando y cómo se va a situar? ¿Cómo la va a situar en esa guerra cultural la Iglesia? L'Église. L'Église española y l'Église en general est au cœur de la guerre culturelle. Elle est au cœur de la guerre culturelle aux États-Unis, elle l'est aussi en France. Et toutes ces batailles culturelles ont été perdues. La bataille sur le mariage gay, par exemple, a été perdue. Il y a eu des grandes manifestations, d'énormes débats, de violence dans le discours au Parlement. Aujourd'hui, le mariage gay existe en Espagne et en France, et plus de 80% de la population l'accepte. Donc c'est une bataille qui a été perdue, c'est une bataille d'ancien régime, c'est une bataille peut-être du tiers-monde, c'est pas une bataille de l'Europe d'aujourd'hui. L'Espagne c'est aujourd'hui une démocratie, c'est un pays de l'Union Européenne, c'est un pays qui a terminé sa relation au fascisme et au franquisme, et même s'il y a des résidus, même s'il y a une tradition, comment dire, d'extrême droite qui perdure, c'est pas ça l'Espagne d'aujourd'hui. Pero mantenerse en esa dinámica en la que se están manteniendo, la jerarquía española,
en esa guerra cultural. Oui, mais c'est pour ça qu'elle est anachronique. Es buscar su propia muerte. Oui, mais c'est pour ça qu'elle est anachronique. C'est que l'Église espagnole, aujourd'hui, est en perte de vitesse. Le pays se sécularise et l'Espagne va perdre son influence parce que elle incarne un monde du passé. En France, van por delante en ese camino, ou non? C'est fini l'Église catholique en France. Il y a aujourd'hui moins de 4% de personnes qui vont à l'Église. Aujourd'hui, on ne se marie plus à l'Église. On ne meurt pas à l'Église. L'Église est une forme en train de se désagréger complètement dans un pays qui est très sécularisé. Et du coup, l'Église a tendance à renforcer son identité et à être encore plus radicale pour essayer d'exister. Mais aujourd'hui, on l'a vu avec le débat sur le mariage gay, l'Église peut être contre. C'est fini. Vous avez le cardinal, vous avez le cardinal de Lyon qui a démissionné. Vous avez l'archevêque de Paris qui a démissionné. Dans les deux cas, sur des questions d'abus sexuels ou de couverture d'abus sexuels. Alors, le futur de l'Église espagnole, lo ves negro? Non, je pense que le futur de l'Église espagnole, c'est Omella qui le définit. C'est une église plus ouverte sur le social, la pauvreté, qui comprend que les pauvres, les migrants, c'est le cœur de l'Église catholique. C'est ça la parole du pape François. Moi, je pense que le pape François est un très grand pape. C'est un pape qui a replacé l'Église au centre de son destin. La pauvreté, les migrants, une parole de compassion, de compréhension, et non pas l'extrême droite. Alors, nous finissons, mais le futur de l'Église espagnole, du catholicisme espagnol, donde queda? Que va quedar del catholicisme espagnol? La Semana Santa está ahí. Oui, bien sûr. Millions de personnes, mais solo reducida a lo cultural. Je pense que c'est une dimension culturelle, je pense que c'est une dimension aussi de folklore, un peu de fête, de symbole. Et c'est vrai que quand on va à la Semaine Sainte à Séville, on voit, c'est vrai aussi en France, il y a une espèce de fête, de symbole, de morale, mais c'est quelque chose de beaucoup plus ténu dans la vie des gens. Et aussi de beaucoup plus simple, probablement. L'Église, elle doit comprendre, et c'est ça le sécularisme, qu'elle n'a pas à intervenir sur les questions politiques. Si l'État espagnol souhaite que les gens ne se marient pas, puissent divorcer, ou que les homosexuels puissent se marier, l'Église n'a rien à dire sur ça. Elle ne peut pas intervenir. Quedará reducida à no tener influencia social. Non, elle a une influence parce que je pense que la parole du pape sur la pauvreté, sur les migrants, elle est très écoutée à travers le monde. Elle a d'ailleurs beaucoup d'influence aux États-Unis, en Amérique latine, et même en France, cette parole existe. Mais ce n'est pas une parole d'obligation, c'est une parole d'accompagnement. Et le catholicisme qui meurt en Europe, está creciendo en África, en Asia, en Latinoamérica, se mantiene por lo menos. Absolument, et c'est ça que le pape François a compris. Le pape François, c'est d'abord quelqu'un qui considère que l'Église occidentale, l'Église, je dirais, européenne, est en déclin et qu'elle doit mieux représenter donc les autres continents, l'Amérique latine, l'Asie, où ça reste modeste quand même, et puis l'Afrique, et c'est à eux que le pape François parle. C'est pour ça que je pense que c'est un très grand pape. Va a tener tiempo de hacer, crees, los cambios que está poniendo en marcha? Pardon? Il va pouvoir acheminer ça? Je crois que l'influence du pape François
qui a échoué sur la transformation de l'Église. Il a échoué, par exemple, sur son projet de modifier la place des femmes, la place l'ouverture de l'Église aux femmes et probablement aux prêtres mariés. Son influence sera sur les cardinaux qu'il a nommés. Aujourd'hui, la majorité des cardinaux ont été nommés par le pape François. Mm-hmm. Très très peu le sont encore de Jean-Paul II et même de Benoît XVI. Donc si le pape François survit encore 3, 4, 5 ans, l'Église sera totalement changée, puisque le collège des cardinaux n'aura plus aucun cardinaux nommé par Benoît XVI et Jean-Paul II. Et ce sera essentiellement des cardinaux nommés par François. L'héritage de François se fera avec le prochain pape. À travers le conclave et le successeur. Muchísimas gracias.